Il est sur la terre africaine, un régiment dans les chasseurs. Dans les chasseurs sont tous des gars qui n'ont pas de peine. Nous les chadafs et nous voilà, et nous voilà. Pour les joyeuses choses spéciales, il faut sortir de la centrale, ou bien connaître la rue Poissy. C'est là d'ailleurs qu'on est choisi. Voilà, tout, on s'en fout. Souviens-toi, souviens-toi, tes jeunes et l'enfant. Avant toi, oui, avant toi, de Gavet, Saint-Antawine, de Gaza, allée de Nine, Saint-Rodeau dans la poussière, marchand, chasseur d'Afrique. Voilà. Alors, racontez l'histoire, alors, je vous écoute. Eh bien, moi, je suis de la classe 55B. J'ai fait l'armée à Tlemcen, le RIF, le Porcé, Nedroma, Maria, Turenne. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Les barricades, le punch, j'ai tout fait. Merci. Et je suis arrivé en France. En quelle année? Quelle année? Encore un peu, ils me mettent en boîte. Quelle année? 55. Non, 62 en France. Je suis parti de l'Algérie 3 jours avant l'indépendance. 3 jours, ok. 28 juin. 28 juin, oui. Avec le Champollion. Oui, je vous écoute. Et alors, je suis arrivé en France, on a été accueilli. Bien. Bien ou pas bien? Ils n'ont pas voulu de moi. Dites la vérité, il n'y a pas de problème. Je travaille chez Renault à Alger depuis 14 ans. Chez Renault, 14 ans, ok. Il a fallu que j'arrive. J'ai vu à Toulon pour qu'ils m'embauchent. Toulon. À Nice et tout, un pied noir, c'était un colonialiste, un type qui tapait les Arabes avec un. Continue. T'as compris. Et alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis monté à Genève. J'arrive le soir, le lendemain, ils m'embauchent. J'étais à Paris, là. Et j'ai terminé à Bruxelles. Bruxelles. Vive la Belgique. Vive la Belgique. Ils m'ont accueilli comme des dieux, les Belges. Comme des dieux. Et j'ai la retraite belge. Le maire d'ailleurs, François, il me dit toujours, salut le Belge. Un type qui est né à la Bacheta, va Belouette. Tu as compris, toi? Ok, merci. Donc, vous m'autorisez à diffuser ça sur YouTube? Je peux vous mettre... Ouais. C'est bon? C'est bon? Merci. Rien à Internet. L'histoire... Alors, l'histoire que vous avez racontée est vraie. Mon père a été tué en Algérie. Mon père a été tué le 11 novembre. 11 novembre 61, oui. C'était un communard, parce qu'on passait soi-disant pour des fascistes. Vas-y, continue. Les lois étaient 90% communistes. Oui. Mais on ne savait pas. On n'était pas politisés. Nous, c'était les merguez et les prochains. Tu vois, ok. Mon père était communard, il voulait une Algérie impeccable. L'OAS l'a tué alors que j'étais. Quel âge? Mon père, il a été tué à ta. Il est né en 9, je crois, à Tipaza. Et l'ont tué le 14 novembre 61. Il n'a pas su que Staline, comme c'était un communard les anciens, il n'a pas su que Staline avait tué 75 millions de personnes. 75 millions, ok. Parce qu'il ne savait pas. D'accord. Il avait quel âge? T'avais quel âge quand ton père est mort? Vieux communistes. Eh bien, il devait avoir, écoute, il devait avoir 51 ans par là. 51? Il a fait deux balles dans la tête. D'accord. Il a été enterré en Algérie? Dans mon régiment, il y a eu 8 morts. Ok. Et le régiment complet, il y a eu 62 morts. C'est quel régiment? Nedroma, Maria, deuxième chasseur d'Afrique. Deuxième chasseur d'Afrique. Ok, merci. Oui, reportage, oui. Vas-y. Et continue, voilà. Continue. Et je continue. Alors, je suis arrivé en Europe. Belle histoire. J'ai appris que qu'on était soi-disant des colonialistes, des fachos. Sans blague. Alors que Babeloïde était 90% communiste. Merci, je continue. Je me rappelle. Hein? Babeloïde, mon père, pendant la guerre, pardon, il a été prisonnier par la Gestapo algérienne. Continue, oui. Il était à Lambèze. Et il a été libéré quand les Américains ont débarqué à Alger en 42. D'accord. Et là, on était les héros. Voilà, les pieds noirs. Parce que continue. Les pieds noirs sont des colonialistes, des nazis. Oui. On est ni nazis ni rien. Moi, je suis un type. D'ailleurs, je suis un peu. Merci. Je vais éditer bientôt.
Alors voilà. Allez, bon. Tu as fait ton putain de reportage. Alors merci, je peux le publier. Mais tu publies. Alors c'est bon. Alors dis-moi aussi, parce que je connais.